Oui, le cœur est l'organe le plus cher, ouais. Après, déjà, prendre le foie, je trouve ça marrant. C'est pour les alcooliques, le foie, il faut qu'il soit en bon état, quoi. C'est normal. Ah bah tiens, bah je savais pas où foutre. On va peut-être déplacer ma porte structure. On va mettre une porte en marbre. Ici? Non. Où est-ce que je vais pouvoir mettre mon atelier de boisson? Parce que. Ou je vais faire un autre atelier, peut-être en extérieur pour faire de la boisson et aller le stocker ensuite. Ici, ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas faire un autre petit atelier ici, ça sera le crématorium, et faire un petit atelier ici pour vraiment faire un, genre on a un atelier de distillerie. L'intérêt en fait, c'est vraiment de créer tout un tout plein d'éléments autour de votre univers et de faire en sorte que bah forcément ce soit plus intéressant. Grès massif. Grès que l'on va fermer ici. Par contre, la Renti est en train de nous finir une sculpture. Une fois qu'elle aura terminé sa sculpture, on lui demandera de revenir sur la pierre, faire de l'artisanat. Parce que là, on n'a plus de pierre du tout et c'est un peu gênant pour le reste des productions. Par exemple, là, vous voyez que Jibo ne dort pas dans une chambre, mais dort en fait dans le couloir. Hein, pour l'instant, il est considéré comme dormant dans le couloir. Pareil pour Rome là qui est considéré comme dormant dehors hein, donc c'est pas top. Ok. Donc il va juste falloir finir cette sculpture, on regardera ce que c'est et ça sera pas mal hein, déjà. Est-ce que je connais Civilization 5? Oui, j'ai fait plusieurs séries dessus d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Et j'ai fait des parties multijoueurs d'ailleurs sur Civilization 5. Bah pour l'instant ouais c'est un peu ça ouais Mikos. Jibo pardon. Oula, je me trompe dans les pseudos. Donc il reste quoi? 100 à faire à la sculpture. Allez, on va forcer la Renti à bosser un petit peu. Fera pas de mal. Allez, 80. Soixante. Hey, pep, 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 où tu vas là? Reviens ici, Larenti. Ah, mieux. Viens bosser un peu, non mais oh. Manger, mais c'est quoi ça? 40. Ah merci, oui j'avais vu, merci Larenti. Ah je sais pas si elle est de qualité, on va voir. Elle est à 10. 5. Ah! Non, 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 non. Tu récolteras le xérigium ensuite, tu termines la sculpture. Alors, voyons voir cette sculpture. Alors, c'est une bonne qualité plutôt. Honte avec angoisse. Cette sculpture contient une représentation de Daniel Rome, 57-67 Smith. Ah, bon, après c'est en allemand, c'est dommage. Qui. Alors, Osweg, je sais plus ce que ça veut dire. Bon, de l'année 5500. La forme triangulaire est presque en contradiction ouverte avec le style cartoon de l'œuvre. Une hirondelle au loin qui semble représenter la désolation. D'accord, donc en fait c'est la honte et l'angoisse de Rome, je pense, pour le coup. Mais qualité bonne, ce qui est plutôt pas mal. Prix à la revente, 700 quand même. Ce qui est plutôt pas mal. Là on avait une normale. Qui donc bonne, c'est une meilleure qualité.
Et donc, vu qu'elle est de Rome, on va aller installer Rome sur parmi les œuvres. Donc, ça va venir dans le couloir. Et on va demander à la Reine T de. On va baisser le niveau d'artiste, on va mettre à 3 pour qu'on fasse des pierres. La Reine T artiste et tueur de potes depuis 4500 ans. Oui, c'est le A, le R et le U sont très proches sur le clavier, Jibo, tu connais. C'est toujours comme ça généralement. C'est bien connu. Voilà, Rome va pouvoir ranger certains éléments, ça c'est très bien. Voilà, on a récupéré de la médecine, on est passé à 12. C'est plutôt pas mal ça, pour le coup. C'est plutôt pas mal ça, Jibo. Donc il va pouvoir construire et finir sa chambre. Tout au moins poser la pierre, si ce n'est pas finir la chambre. On a les mitrailleuses de ce côté-ci, on a la porte qui va pouvoir être terminée ici aussi. Rome, ça t'apprendra à te faire humilier par une tortue. Honte au désespoir. Non, et... Ah non, mais tu as tapé à coup de fusil à pompe en fait. Oh bah tiens, on a découvert une nouvelle zone pour le coup. Alors ça c'est pas très bon, hein. Va falloir peut-être protéger. Bon, on pourra faire des chambres dedans, on va pouvoir améliorer. L'automne vient d'arriver. On vient de découvrir une zone, d'accord. Et on va pouvoir remettre Rome, je pense, au niveau du nettoyage. Très bien. Là, on a un lit qui pourrait être fourni à la Reine T ou à Mi-Coste. Mais c'est très bien, là, ça commence à progresser. Un peu de lumière aussi. Capsule de cargo qui vient d'arriver. Avec du cuir de wapiti. Très bien. On a de la nourriture. Est-ce que ça vaudrait le coup de chasser des animaux là? Parce qu'on est plutôt haut, hein, si j'ai bon souvenir. Ouais, c'est ça. Alors je préférais chasser à côté de chez moi plutôt que d'aller vraiment loin. Oh purée, bah il est tombé pile là où il fallait le feu. Bon, il va s'éteindre avec la pluie, mais. Tu as femme de ménage cherche emploi. Oui, des fois, ouais. Heureusement que je mets pas le chat. Ben là, j'ai commencé à essayer d'utiliser XSplit. Je l'ai installé et j'ai essayé de le mettre en place dans la journée là. Je dois avouer que j'ai un petit peu galéré. Et donc c'est pour ça que je l'utilise pas là pour ce live là, hein, mais l'idée y était, je voulais l'utiliser à la base. C'est juste le temps que j'arrive à mettre les setups comme je veux pour pouvoir l'utiliser comme correctement. Alors je vais pas lire certaines choses du chat, mais vous êtes un peu limite quand même les gars, faites un peu attention s'il vous plaît. La base orbitale a été mise à jour. Ah oui, non mais on est tout à fait d'accord, Mikost, hein, on est tout à fait d'accord. Pour une fois, tu es innocent. Ce qui est pas souvent, hein, mais... Non, non, je ne rajoute pas d'huile sur le feu, je ne me permettrai pas. Alors, au niveau de l'équipement, on va commencer à faire un petit peu des trucs pour les animaux, quand même, avec un peu de...
On a quoi comme cuir de disponible? On a énormément de cuir quand même différents. Et ça demande combien de cuir ça? 45. Est-ce qu'on a du cuir de warg? Oui, on va en mettre 1, 2. De warg, on en a beaucoup. Non, je vais mettre en cuir de biche dans ces cas-là. On va mettre en cuir de serpent aussi pour les animaux. On va leur faire un peu des zones sympathiques quand même à nos petits animaux pour qu'ils puissent aussi profiter un petit peu. Ah non, là je vais pas pouvoir donc. Celui-là. La lumière, une sculpture. Ça ici, ça sera très bien comme ça. De quoi que j'ai commencé encore. Oui, je vais essayer, Rome, mais ça sera pas forcément évident. Ouais, ça va, j'ai pas fait exprès, hein. Les animaux peuvent être assignés, oui, du moment qu'ils ont. Alors, tu apprendras à Jibo que personnellement, je préfère me faire insulter de con, sachant que ça désigne le sexe féminin, plutôt que d'être désigné par d'autres termes, sachant que donc le sexe féminin étant l'un des plus beaux sexes qui soit, puisqu'il est capable de donner la vie. Voilà, si ça peut te rassurer ou te donner en tout cas une meilleure conscience, voilà. Après, ça n'excuse pas le terme que j'ai employé, puisqu'il a été employé à mauvais escient, mais voilà. Est-ce que cela te convient mieux? On a un animal fou, un boumaloup qui est devenu fou. Alors ça c'est très dangereux, le boumaloup devenu fou. Va le mettre à la chasse pour le coup. Oh, joli tir de l'Arenti. Un tir à un mort comme on dit. Bon, ça c'est pas mal, on a réussi un joli, joli élément, un boomaloop qui va donc servir de nourriture. Ça c'est pas mal. Voilà, on a réussi quand même de ce côté-ci pour. Alors, il faudrait qu'on récupère du marbre. Est-ce qu'on en a encore du marbre? Oui, il va falloir qu'on en mine un petit peu, puisque j'ai besoin de marbre pour mes structures. Donc on va miner ici pour récupérer du marbre. Parce que j'en ai besoin pour des portes, tout simplement. Ah oui, un tir à mort. Et là, c'était un joli tir quand même. Très efficace. Donc on a quelques animaux qui vont pouvoir dormir comme ça. On n'a pas assez de cure de warg. Ah dommage. Alors, restriction, non. Architecture, équipement. J'avais du cuir de serpent. Ça peut être pas mal. On a des visiteurs qui passent, très bien. D'ailleurs, on va peut-être appeler dès qu'on pourra un des clans
Une des factions, notamment le village, la ville des ruisseaux, je pense, ou ville des Fletcher, pour faire en sorte que qu'ils soient plutôt amis avec nous, en fait. Il pourrait être pas mal. Jibo, on se calme un peu sur les émoticônes, s'il te plaît. Ah oui, non, mais la compote de marron, oui, ça c'est bon, ça. Qu'est-ce qui se passe, la Reine Tige? Je comprends pas. Ah d'accord. Ah oui, mais moi je peux pas lire les. En fait, moi je vois marqué Deleted Link, je vois pas le nom de. Donc il faudrait que tu enlèves par exemple de chaque côté du point exé ou autre. D'accord. Ok, bon bah c'est pas grave. Non, mais c'est juste que ça me je me demandais ce qui se passait en fait, c'est pour ça. C'est pas très grave en soi. C'est juste que j'étais un petit peu étonné, que je comprenais pas. Oui, je sais, mais sauf que c'est. En fait, pour moi, le chat les enlève, empêche de les mettre. Donc, moi, je vois à la place de .exe, je vois Deleted Link. Donc, je sais pas ce que tu mets dessous. Je sais pas quel lien tu mets. Donc, c'est pas méchant, hein. C'est vraiment que je comprenais pas en fait ce qui se passait. Bon, on a bientôt fini, ça c'est pas mal, on a bientôt fini l'endroit pour le crématorium, donc on va pouvoir le faire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il va nous falloir juste 200, alors on aura du granit pour le faire, pour le réaliser. Ok, ça c'est pas mal. Donc on aura de quoi faire. Ça c'est pas mal. On va pouvoir faire notre crématorium. Donc on va pouvoir retirer des cadavres. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ah ouais, non, mais vous en embêtez pas trop, hein. Sinon moi je mets des petits time-out. Ouais, il faut se mettre au boulot là, pour le coup, faut avancer la colonie. J'ai toujours pas ouvert cette fameuse salle, il va falloir que je mette en place une défense, ou tout au moins que je me mette des alliés dans la poche. Allez, on va discuter avec la ville des Fletcher et avec l'autre ville pour leur donner un peu d'argent. Voilà, opinion 14, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais mince, non, c'était pas lui. C'est Jibo. Avec village des ruisseaux. Et on va augmenter un peu le bonheur. Ok, ça marche. Ça coûte cher quand même, 300 d'argent. Ça changera pas mieux Rome, hein. Les tapis peuvent se salir quand même. Oui, là le chat est complètement déchaîné de ce côté-ci. C'est pour ça que je suis obligé de faire un peu de modération. Mais le chat est déchaîné aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir sur les lives, hein, pour participer vous aussi. Parce que ça mérite le coup d'œil. Quand même. Ça mérite le coup d'œil. J'ai plus de gré.
Ok. Alors par contre, équipement, énergie, équipement, on va mettre de la lumière dans la chambre de... Ah. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas de... L'électricité ne parcourt pas ici, ce qui est un peu gênant. On va faire comme ça et je vais essayer de mettre l'énergie de façon différente. Tu vas courir ici. Bah, l'énergie va courir comme ça. Et on va venir fournir l'énergie à Rome et à Jibo. Alors ici on a beaucoup de granit, donc on peut faire un sol granitique. Très bien. Ça c'est pas mal. Ok, d'accord. Donc là, on est plutôt très bien, je trouve. Donc on avait dit l'Arenti. Bon, on va en faire un lit de prisonnier. L'Arenti donc pourra dormir ici. Même si la chambre n'est pas totalement terminée, au moins on aura quand même quelque chose qui sera un peu mieux. Bien, on a une chambre ici qui est à peu près efficace. C'est très bien ça. Oh, mais il y a Jibo aussi qui est modérateur sur d'autres lives. Ah oui, je fais ma pub pour ma chaîne Twitch, c'est normal hein, que les gens puissent venir. T'as des soucis, Mikosta. Et de rien, de rien. Bon, il y avait du feu qui était dans le coin. Ouais, bon, c'est pas... ça crame un petit peu, mais rien de bien grave. Va falloir que je me refasse une salle pour mettre des générateurs. Enfin, des batteries. Aussi. Et on a subi un raid. Bon, ils se prépareront dans un certain temps. Et ce sont des vagabonds sans groupe. C'est quoi les sans groupe? D'accord, c'est une bande de pirates, boss, Holy Kit Ketu. D'accord, bon bah ça passe. On va aller voir. Ils sont passés où les... D'accord, ils sont passés là-haut. Et on a un contrebandier. Bon, de toute façon, on est défendu de ce côté-ci. La défense n'est pas formidable, mais elle servira toujours. Elle sera toujours quand même là en place. Ok, donc on va pouvoir récupérer la nourriture ici, ça c'est pas mal, récupérer un peu. De ce côté-ci, ben, ça c'est pas mal, ça a bien avancé, on va pouvoir récupérer ça, le déplacer. On est bien, on a quand même des jolies chambres. On va pouvoir aussi augmenter la salle ici, je pense. Ok, donc les 100 groupes nous attaquent. Ah, ils nous tirent d'aussi loin, par contre, c'est assez violent. Bon, ils se font attraper par les mitrailleuses, hein, qui font leur travail.
Ok, un blessé. Qui est l'autre mon autre soigneur? C'est bon, Jérôme qui est médecin encore. Et les pirates s'enfuient, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir capturer Mathias. Avec un rasoir en bois. Le gars il est courageux, il veut nous attaquer avec un rasoir en bois quoi. Excusez-moi, c'est un peu facile. On transporte le sanglier mort, ça marche. Faut y aimer quand même, hein, un rasoir en bois. Faut pas être méchant, mais avant de toucher quelqu'un avec ça. Bah faut tous fouetter la reine, tiens bah bravo. Même les pirates s'y mettent, la Renty, solitude de personne. J'ai pas compris. Ah oui, je pense qu'il y en a qui vont se marrer 5 minutes, oui, en lisant le chat. Oui, parce qu'alors des fois. Je pense que, ouais, parfois, il y en a qui comprendraient un petit peu ce que j'endure des fois sur le chat. Alors, de ce côté-ci, on va quand même le soigner. Est-ce qu'on va essayer 78%? Oui. Niveau des aptitudes, bon, il est incapable de transporter. Incapable de travaux manuels. Par contre, voyez qu'il est capable de médecine, sociale. Bon, pourquoi pas. Art. Bon, il est masochiste et ondotomphile. Ouais. Ouais, on pourrait le mettre en artiste, pourquoi pas, qu'il nous fasse des sculptures à longueur de temps. Ça pourrait être pas mal. Y a pas de souci, Dylan, y a pas de souci. Et au moins là, elle a bien travaillé, ils ont bien travaillé de ce côté-ci, c'est très bien. Bon, Mikost est complètement guéri, ça c'est une bonne nouvelle, et d'ailleurs il va falloir faire une chambre à Mikost pour le coup aussi. D'ailleurs j'ai pas mis de quoi garder les chambres plutôt fraîches, mais l'intérieur je suis assez content quand même. Bon il fait assez froid, on va dire 17 degrés à l'extérieur, mais on a des chambres qui se maintiennent. Une vingtaine de degrés c'est plutôt acceptable je trouve. Et on a 9, donc 9% de chance de recruter Mathias. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai quoi comme... Du cuir de sanglier. Bon, on va faire deux équipements en cuir de sanglier ici. Un... Ah, c'est plutôt pas mal, je pense. Un de sanglier déjà. Il y en a beaucoup à creuser encore. On a un sanglier 2 qui vient d'être recruté. Et quelqu'un est malade d'infection. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, on a un sanglier 2. Alors, je crois qu'on a un mâle et une femelle. Et on a Mathias qui est malade. Donc, on va lui augmenter la santé. On va plutôt utiliser la médecine, si on peut, de qualité. Pour pouvoir le recruter, quand même, ça serait la moindre des choses. On va déjà essayer Il est malade de quoi? D'infection mineure. Alors le problème des infections mineures, c'est que c'est assez pénible. C'est assez compliqué, vraiment. De vraiment bien soigner les gens dans ce genre d'environnement. Ok, là 24 degrés, 21 degrés. Va falloir que j'arrive à mettre ici tout un système pour permettre d'avoir de l'aération et garder 21 degrés dans ces pièces-là. Ok, ça c'est pas mal. On a une vague de chaleur qui arrive, oui, bah c'est justement le bon moment, je pense, pour mettre des éléments de température pour garder ça au frais. Ouais, ici ça sera très bien dans la chambre de Rome.